Un écran titre qui me fait déjà peur. Vraiment. J'espère que ça va bien se passer. Enfin bon, bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69Zellos, bienvenue pour une nouvelle vidéo, une vidéo Crash Test, en attendant la prochaine review qui arrivera d'ici je ne sais pas combien de temps, parce que pour tout vous dire, j'ai encore pas mal de boulot à faire. Donc, en attendant, j'ai voulu vous présenter un jeu NES, parce que mine de rien, ça fait un petit moment qu'on n'était pas retourné du côté rétro. Donc, je me suis dit, pour le coup, ça pouvait être sympa. Sympa de retourner sur certains jeux. Je vous avais fait Super Ghouls'n Ghosts sur Super Nintendo à l'époque, ce qui fait que, enfin à l'époque, il y a de cela quelques semaines ou quelques mois, je ne me souviens plus, mais je vous avais fait la version Super NES, et là on est en face de Makai Mura, qui est tout simplement Ghosts'n Goblins, sorti en 1986 sur NES, à la base sorti en 1985 sur borne d'arcade, évidemment, donc c'est Ghosts'n Goblins, hein, la version européenne, et on va se faire tout simplement un petit crash test dessus, en espérant, en priant beaucoup, parce que Ghosts'n Goblins, pour ma part, c'est certainement un des jeux qui est le plus difficile de la Nintendo Entertainment System. C'est le jeu sur lequel j'en chie, mais à mort, un truc de taré. Ça me fait grandement rigoler, parce que surtout quand tu te remets dans le contexte de l'époque, quoi. Étant donné que c'est un jeu d'arcade, le but des jeux d'arcade, évidemment, c'est d'être difficile as fuck pour pouvoir forcer le joueur à remettre des piécettes. Voilà, c'est le but, ça. Sauf que c'est assez marrant de voir que, bah, finalement, le portage NES a subi aucune modification. Si ce n'est graphique, hein, parce que en soi, vous allez voir, c'est un jeu qui est pas spécialement beau, même pas vraiment. J'avais envie de dire pas du tout. Quand même pas, c'est pas un jeu qui est quand même ultra moche. Mais le fait que ce que vous voyez là depuis tout à l'heure, la cinématique d'intro, vous voyez à quel point elle est à chier. Vous voyez à quel point elle est à chier. Pas la cinématique d'intro, mais je veux dire la démo. Le mec se suicide tout le temps. L'ordinateur abandonne. Il s'en contrebranle, il abandonne, il a pas envie de te montrer quelque chose d'intéressant. Mais enfin bon, donc du coup on va essayer de faire un petit crash test sur ce jeu, d'essayer d'arriver le plus loin possible. Ça va être très rageant. Je me suis laissé 5 continus. Juste 5, parce que c'est un jeu qui m'énerve à un point jamais égalé jusque-là. Parce que c'est de la frustration pure et dure, de la difficulté salace, comme c'est pas permis. Ça me fait doucement rigoler de voir que à notre époque, il y a des gens, par exemple, qui en chient à mort sur Crash Bandicoot, alors que Crash Bandicoot en soi, ce n'est pas un jeu qui est difficile, très loin de là. Je veux dire, Crash Bandicoot, le 100% est dégueulasse. Ça ouais, ça je veux bien le comprendre. Le 100% est vraiment dégueulasse. Mais le run classique, faut arrêter. Crash Bandicoot, c'est clairement pas un des jeux les plus difficiles auxquels on a pu jouer. Bah là, on va regarder tout simplement ce qu'est un véritable jeu hardcore. Donc, on va arrêter avec la cinématique, ça suffit, voilà. On appuie sur Start, et on commence avec la petite image, la petite cinématique. Voilà, donc il faut sauver la princesse. Et on est parti. Alors, Ghosts'n Goblins, comme vous le savez, c'est un espèce de run and shoot. Je sais pas si on peut appeler ça un... C'est pas un beat'em all, mais je veux dire... Vous connaissez ce que c'est, vous savez ce que c'est, les Ghosts'n Goblins, les Ghouls'n Ghosts et tout ça. C'est des jeux qui sont... Ah! Oh putain, je l'ai esquivé, je sais pas comment. C'est des jeux qui sont quand même très, très connus. Et notamment... Oh la vache! Notamment réputés pour leur grande difficulté, justement. Et on va le voir... Oh merde, la torche. Je veux pas la torche. Et on va le voir tout du long de cette vidéo. Au niveau du gameplay, il n'y a rien de plus simple. Le bouton B pour tirer, le bouton A pour sauter, ni plus, ni moins. Et merde. Vous vous baladez dans plusieurs levels. À chaque fois que... comment dire ? Ben, à chaque fois que vous arrivez à la fin des du niveau, vous avez un boss à battre, vous battez le boss, vous passez au level d'après, etc., etc. En soi, rien de compliqué, mais avec un système de jeu aussi dégueulasse que celui de ce Ghosts'n Goblins, hop là, oh putain, ça devient beaucoup plus ric-rac. Alors désolé si jamais j'hésite, si jamais je balbutie beaucoup... Mais voilà, comme vous pouvez le voir, c'est un jeu qui demande énormément de concentration, qui demande énormément d'attention. Donc, faire un crash test dessus... Yeah. Merde, il y en avait deux, putain. Faire un crash test dessus, ça va me demander pas mal d'implication. C'est un jeu, comme vous pouvez le voir, qui est ultra difficile. Je sais même pas si on va pouvoir atteindre le level 3, voire même le level 2, parce que comme vous pouvez le voir, j'en chie à mort. J'en chie à mort pour l'instant et on est qu'au premier level. Après ça fait un moment, ça fait un long moment que je n'ai pas joué à ce jeu. Au passage on est sur la version japonaise, hein, donc on est en 60 FPS. Enfin FPS non, mais en 60 Hz pardon. Lapsus. Mais ouais ça va être... Oh putain, on va te faire foutre. Ça va être assez complexe d'arriver jusqu'à la fin, surtout comme vous pouvez le voir avec ces zombies qui popent de partout. Et faut savoir un truc, c'est que ce jeu, la raison pour laquelle il est d'une difficulté assez violente et assez impressionnante, c'est que, à l'inverse d'énormément de jeux qui sont présents sur NES et qui sont du même genre que ce Ghosts'n Goblins, en général, c'était ce que moi j'aime bien appeler du try and learn, à savoir, il y a le die and retry, vous savez ce que c'est que le die and retry. Ces jeux qui nous forcent entre guillemets à mourir à certains moments à cause de certains endroits, certains passages, certains ennemis qui nous tombent dessus. Bref, le die and retry, vous savez ce que c'est. Et certains de ces jeux qui sont clairement pensés comme étant des die and retry, ils ont un côté comme j'aime bien le dire, de try and learn, à savoir tu meurs, certes, mais une fois que tu repasses... Oh putain. Une fois que tu repasses à l'endroit... Oh putain, j'ai réussi à le buter. Une fois que tu passes à l'endroit dans lequel tu meurs, à l'endroit où t'es mort, en fait, tu sais quel genre... Hop là. Tu sais quel genre de piège t'attend, en fait. Tu sais exactement quel genre de piège t'attend, ce qui fait que du coup, tu apprends de ton erreur, certes tu es mort entre guillemets gratuitement, mais t'arrives à apprendre, ça peut être tout et n'importe quoi, le pattern des ennemis, etc., etc. Ce jeu n'a aucune logique, tu ne peux rien apprendre. Le pattern des ennemis est complètement aléatoire, tu ne peux pas progresser en apprenant. En apprenant le mouvement des ennemis, en apprenant leur pattern, etc., etc., c'est de l'anarchie. C'est de l'anarchie ce jeu à ce niveau-là. Ce qui fait que du coup, encore une fois, bah, ça le rend encore plus difficile, vu que tu ne peux rien anticiper, tu ne peux pas anticiper le déplacement des ennemis, que ce soit des mobs normales ou des boss, ce qui fait que... Oh putain, non! Oh putain, salopard. Hop là. Mais oh là là, vous avez vu, le mec, il a popé devant ma gueule, quoi. Ah, ce jeu, mon dieu. Alors notamment, je sais, si jamais vous suivez les vidéos du, Hooper, à l'époque il avait fait une épopée sur la version, non pas la version NES que je suis en train de vous montrer, mais la version arcade. Sur la merde, pourquoi je le rentre dedans, ça c'est ma faute. Sur la version arcade du jeu, et autant le gros ours, il a énormément de patience. Moi j'en ai pas. Merde, oh là là. Pour ce jeu, moi j'en ai clairement pas. Je ne suis jamais arrivé à la fin, à l'inverse de Ghouls'n Ghosts sur Mega Drive et de Super Ghouls'n Ghosts sur Super NES. Je ne suis jamais arrivé à la fin de ce jeu. Jamais. Juste jamais. Parce que t'as pas envie. Regarde, là on a encore grillé un game over, et au final, on l'a dans le cul. Et venez certainement pas me dire que ce jeu peut être facilement abordable. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Celui qui vous dit ça, faut arrêter. Faut juste arrêter. Ce jeu, c'est la la cruauté à l'état pur, quoi. C'est même pas intéressant. Encore, là, on est sur la version... Merde, putain, ces ennemis qui pop n'importe où. On est sur la version NES, il me semble que la version NES, c'est la version qui a le plus la réputation d'être difficile, en fait. C'est-à-dire, c'est la version la plus dure, la version NES. Je sais pas si c'est vrai, j'ai pas spécialement vérifié, mais si jamais c'est le cas, voilà. Enfin, moi, ça m'intéressait. Déjà, je voulais vous montrer ce jeu parce que voilà, ça fait quand même partie d'un des jeux culte de la Nintendo Entertainment System. Culte pour des raisons... des raisons évidentes, parce que c'est un des jeux, si ce n'est le jeu le plus difficile du support. Mais je dois vous avouer qu'encore une fois, après des heures et des heures de jeu, je n'ai toujours pas appris... ou compris... de technique pour pouvoir... Putain, non mais regarde-moi ça. Ah putain, ah, Darima. Et encore un coup. Oui, c'est bon. Il y a des checkpoints, hein. Heureusement, il y a des petits checkpoints. Heureusement, j'ai envie de te dire. Surtout que vous avez vu, hein. 3 vies. 3 vies pour faire le level, sinon, c'est game over. Sachant que... si ma mémoire ne me fait pas défaut, si on atteint le level 2, et qu'on a un game over, on reprend non pas au, au level 1, je veux dire, c'est pas... on reprend pas au niveau 1, mais on reprend... Ah, saloperie. On reprend au level 2. Ah, dégagez, putain. Oh là 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 là. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire à ce moment-là? Sans déconner, faut qu'on m'explique. Il faut qu'on m'explique, putain de merde. Oh, il est infect. Tiens, attendez, je vais vous laisser avec la magnifique musique et les magnifiques bruitages de ce jeu. Les bruitages étant d'une qualité... magnifique. Putain, le boss. Ah! Voilà. Commence à comprendre pourquoi est-ce que je hais ce jeu. Pourquoi est-ce que je le hais du plus profond de mon âme, cette daube. Oh, putain! Ce jeu, mais je te jure. Et les mecs qui sont là, qui connaissent rien, qui sont là, oh, Tortue Ninja, c'est un des jeux les plus durs de la NES! Mais ta gueule! Mais ta gueule! Putain! Tortue Ninja, au moins, tu peux le finir, quoi. Celui-là, mais putain, faut être un énervé pour le terminer. Pire qu'un énervé. Allez, repars au level 1. Putain de merde. Oh là là. Je crois que le... Hop là, putain, j'ai le couteau, c'est bien ça. Je crois que le... Mais non, mais ta mère, Arthur, ta mère. Sachant que là, on est... encore une fois, c'est pas la version Super NES, hein. C'est-à-dire là, j'ai perdu mon armure. Hop là, vite. J'ai perdu mon armure, mais pour pouvoir la récupérer... Pour pouvoir la récupérer, va te faire foutre. On ne peut pas récupérer son armure dans la version NES. Ou du moins, j'ai jamais vu l'armure, je crois. Non, il va me rentrer dedans, mais nique ta sœur, oh là là, Red Arima. Red Arima, tu me gonfles. Et comme vous pouvez le voir, il y a 6 levels, hein. Donc le jeu, en soi, est plutôt court. Sachant que je connais la totalité du jeu, je sais à quoi il ressemble. Le level 1, c'est le niveau le plus facile. C'est le niveau le plus facile. Le pire étant pour ma part le level 5. Le level 5, il est infect. Le pire, c'est que ce jeu, je le hais, mais d'une force. Alors que la version... Ah, la version arcade peut en soi être... Oh putain, je sais pas comment j'ai fait. Tu m'emmerdes, la bouboule. le pire, c'est que ce jeu... Putain, mais vas-y, salopard! Oh. Non, ah non, les zombies! Oh la vache! Mais j'aimerais bien vous montrer le deuxième level, en fait. Au moins le deuxième. Sachant que je compte même pas les game over, hein. Je compte même pas les game over dans ce jeu, mais... Oh la vache! Ah, ça va être beau, tiens. Mais ta mère, je l'ai tué! Oh, vain Dieu! Puis en plus, il est... Il est moche, ce jeu! Non, mais faut dire ce qu'il est! Il est moche! Je suis désolé! C'est pas un des jeux les plus moches que j'ai... Merde! C'est pas un des jeux les plus moches que j'ai vu sur Nintendo. Mais putain, le background noir dans le fond! On va voir que de ça, hein. On va voir quasiment que de ça. Allez, dans le level 3, on a un background bleu. Je crois. Je crois. Oh putain, ça fait combien? 4 continues, il me semble, hein. On va pousser à 10. On va pousser à 10 quand même, hein. Sachant que tant pis, hein, si jamais j'arrive pas à vous montrer... si jamais j'arrive pas à vous montrer le deuxième level, bah j'ai envie de dire tant pis, hein, ce sera de la faute du jeu. Mais ça fait plaisir, voilà, de remontrer... ce qu'était à l'époque véritablement un jeu considéré comme un jeu difficile. Mais non, la torche, mais va te faire reculer! De la merde, la torche! Ça, c'était un jeu véritablement difficile. Tu vois à quoi on jouait à l'époque? Alors stop, comparer Zelda Breath of the Wild ou un Crash Bandicoot. Hop là. Ou un Crash Bandicoot à Dark Souls. Ça va devenir un mème, cette saloperie, à force, hein. Ça va devenir un mème, cette connerie. Tu vas avoir n'importe quel jeu, si jamais tu meurs une seule fois dans le jeu... Oh putain, c'est comme Dark Souls. Oh putain, c'est Dark Souls. Les gens sont devenus cons, ma parole. Merde. Aïe. Putain, mais avec la torche, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi? Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec cette torche moisie? Oh putain. Quoique... Hop là, merde. Eh fuck, va te faire enculer, va te faire foutre, allez. Putain. La folie commence très vite. La folie commence très très vite. Là, j'aime bien tous les mecs qui disent « Oh, les jeux Infogrammes, c'est des jeux impossibles, c'est des jeux horribles. » Joue à ça, mon pote. Joue à ça. Joue à Ghosts'n Goblins sur NES. Ça va te faire la rondelle, un peu. Zéro tact, hein. Mais ça va te faire... Hop là. Mais non, fantôme pourri. Oh non, de Dieu. C'est le stress. Le stress. Avance, 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 Arthur, avance. On s'en fout du reste, avance. Ah. Oh putain. Hop là, le boss. Le boss, ah! Sachant que le boss est super chiant. Ah! Parce que des fois... Oh putain! On a réussi! Fouah! Des fois, le boss, en fait, il... comment dire? Il rush dessus. Il nous rush dessus, mais comme un sac. Mais comme un sac, comme un enfoiré, c'est impressionnant. Bon, on a atteint le level 2. C'est cool, ça. On a atteint le level 2, ce qui est quand même bien. Ce qui est quand même très bien. Allez, go! Oh putain, merde, j'ai la torche dans ce level, ça va être beau, tiens. Hop là, alors bien sûr... Ah! L'inertie d'Arthur est toujours... Vas-y, bah oui, bah oui. Bah oui! Les magnifiques petits lutins qui m'avaient cassé les noix dans Super Ghouls'n Ghosts, hein? Vous vous en souvenez? Ah bah ils sont là. Ils sont dans le level 2. C'est beau. C'est très beau. Allez, puis moi j'ai toujours cette torche de merde. Hop là, on va essayer de le... Ah oui, sachez une chose, c'est que... Ah ça... Allez, vas-y, regarde-moi ce pattern. Regarde-moi ce pattern. Ah, il est beau le pattern. Il était parti. Il était parti, le machin. Game over. Oh, fatieux. Fatieux. Hey, normalement, ça devrait passer. On est où? What? What? What the fuck? Pourquoi je recommence au level 1? Et le continu? Il est où le continu? Oula, attends, il y a un truc qui me plaît pas là. Il y a un truc qui me plaît pas. Je vous demande 2 secondes. Ah là, c'est bien ce que je pensais. J'avais oublié un truc. Parce que... Bon là, on est baisé, on va devoir refaire le level 1. Mais en fait, pour pouvoir avoir l'écran de continu, dans la version japonaise en tout cas, il faut maintenir le bouton droite à l'écran titre et appuyer 3 fois sur B. Parce que juste un truc continuer, non, c'était pas intéressant. Ça allait pas intéresser les gens. C'était trop facile. Bordel. À savoir une chose, je ne sais pas si la... hop là. Je ne sais pas si la version PAL... est plus simple que la version japonaise. Parce que c'était le cas, souvenez-vous, dans... Ah, dans Ghosts'n Goblins. Dans Super Ghouls'n Ghosts, pardon. Dans Super Ghouls'n Ghosts, c'était le cas... La version japonaise... Et merde, la version japonaise était plus compliquée que la version PAL, qui a été rendue plus facile. En fait, la première run japonaise, c'est égal à la deuxième run européenne. Mais je sais pas si c'est le cas pour ce Ghosts'n Goblins. Bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Je vois ça avec la musique et les bruitages magnifiques encore. Il n'a pas voulu tirer, cet enculé. Parce que ta gueule. Mais j'ai... On se calme. Il pop sur moi, dès le départ. Lui ai roncé sa sœur. Nique bien ta mère. Nique bien, va bien te faire enculer. Oh putain. Salopard. Alors, droite. 3 fois B. Ça marche pas. Ça marche pas. Ouais, c'est ça, ça marche pas. Ouais, bah, je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter. Ma patience a des limites. Ma patience a des limites. Putain. Autant Castlevania 3, je peux faire le forcing, parce qu'il a beau être difficile. C'est un jeu qui reste quand même ultra intéressant et qui est vraiment très beau pour de la NES. En plus d'avoir des musiques magnifiques. Ce Ghosts'n Goblins... Oh, il a rien de tout ça. Il a rien de tout ça. Il est pas très beau. La musique est sympa mais ultra répétitive. Le gameplay est inintéressant au possible. Alors certes, on est en 86. Mais bon, 86, il y a Zelda qui est sortie, nom de Dieu. Je sais, ça n'a rien à voir. Mais laissez-moi savourer ma haine envers ce jeu. Oh bah oui, un tir vert sur un fond vert. Royal! Royal! Putain, je crois que ça va être le dernier game over. Mais oh mon dieu. Oh my fucking god. Sachant que là on essaye Vanilla, hein, parce que pour tout vous dire... Ah, salopard, mais c'est quoi ce sprint là? Enculé. Putain. putain de bordel de merde. Jeu de merde. Teste-le celui-là, le JDG là. Tu vas t'amuser. C'est a lot of fun. Le pire c'est que moi j'ai la... Mais non, mais pas de... Oh. Oui, parce que oui, les ennemis ont une frame d'invulnérabilité quand ils apparaissent. Hein. Bah, ce serait trop simple sinon. Beaucoup trop simple. Hey. On est reparti. Ah putain, elle va rester ancrée dans votre tête cette musique, hein. Putain de torche. Oh là là. Ah quoi que... C'est un petit peu mieux. C'est un petit peu mieux dans cette version, la version NES, parce que la torche, du coup, on peut en tirer deux à la fois. Donc c'est un tout petit peu moins chiant. Voilà. Ça dans ta gueule. Et prends ça dans ta... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'ai fait apparaître, là? Qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Un espèce de démon bleu, là? Le continu, il... fuck that shit, hein, ça... Pourtant, j'appuie sur droite, hein. J'appuie sur droite, je comprends pas. C'est bien ce qu'il me disait de faire. Je comprends pas. Ah si, je crois que ça a continué. Je crois que ça a continué parce que j'avais encore... J'ai encore la torche. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bref. Et... Pff, nique ta sœur. Le lagging pute. Essayons de se concentrer un peu. Merde, putain, j'ai pas vu son tir. J'ai pas vu son tir à l'enfoiré. Mais ça peut passer. Ça peut passer. On est au checkpoint. Normalement, ça devrait bien se passer. Jeu de merde. Ah, puis avec ces bruitages là, les espèces de fantômes hot dog là. Qui a cru que c'était une bonne idée d'ajouter ce sound FX? C'est de la merde. Je tiens à le dire. Ah, regarde, regarde. Ah, bah oui, sur ma gueule. Oh, putain. Allez. Allez, allez. Le boss, il est au bout. Le boss, il est au bout, Arthur. Voilà. Allez. Non, putain, mais... Ah. Nom de Dieu. Nom de Dieu. Allez, putain, concentration. Ah, good. Level 2. Le fameux. Enfin là, cette fois-ci, j'ai pas la torche. Ça pourrait peut-être mieux se passer. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Allez, go! Oh bah oui! Oh bah oui! Les armes qui passent à travers la hitbox de merde de ces lutins à la con! Oh! Dégage! Le pire, c'est que ce passage-là, il est pas très long. C'est quoi ça? Des points, je m'en branle! Ah là! Je crois qu'on est au checkpoint, là, déjà. Il me semble. Regardez-moi ce décor. Il est beau, hein? Il est beau, ce décor, hein? C'est quoi cet oiseau? Merde, je regardais pas. J'ai pas regardé. Alors, attention. Ah, tiens. 1, 2, 3, start. Ça devrait bien se passer. Oui! On est au level 2 et au checkpoint. Ah bah voilà, bah finalement ça marche. Finalement ça marche. Est-ce que c'est mieux, ça je sais pas. Et là, ici, là, c'est un endroit qui est horrible. Vous voyez ces espèces de petits fantômes souris dégueulasses, là? Ils ont un panel, mais tellement infect. Oh putain, les gobelins! Tue les gobelins! Oh putain. Et les oiseaux qui popent dans tous les sens. Oh là 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 là! Ce level 2! Ce level 2 de l'horreur! La deuxième partie du level 2 est super longue en plus, quoi. Qu'est-ce que c'est, cet oiseau, là? Ça suffit. Ah, c'est bon. Tuer. Hop là. Passe là-haut. Oh putain, je vais pas y arriver. Oh putain. Casse-toi, l'oiseau. Putain. Casse-toi. Espèce de moblin dégueulasse, là. Va là-bas! Je peux pas monter. Et l'autre qui me tient... D'accord. Ok. I had enough of this shit! J'en ai marre de cette merde! Ah, j'aime pas ce jeu, hein. J'aime pas ce jeu, hein. Je l'ai acheté... Merde, ouah. Je l'ai... acheté lors de mon voyage au Japon, uniquement pour l'avoir, hein, je veux dire. Uniquement pour l'avoir, parce que je voulais tous les jeux... Je voulais tous les jeux de la série des Ghosts'n Goblins. Oh, merde. Oh putain, comment j'ai fait pour passer... Comment j'ai fait pour passer? Oh, putain. L'horreur! Oh, l'horreur que c'est! Alors, 1, 2, 3, start. C'est ça? Oui. C'est toujours... C'est comme le moment où tu mets un CD PlayStation... un CD rayé de PlayStation. T'attends qu'il... Tu sais pas si ça va marcher ou pas, t'es là, tu fais... Allez, s'il te plaît! Oh là 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 là, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, of course. Of course. Il veut pas sauter! Ouais! Allez, c'est le dernier continu, là. Ah, ça sent le dernier continu, là, parce que là... Là, c'est plus possible. Non, 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 c'est plus possible, non. Oh, putain. Allez, garçon. T'as tué les trois fantômes, c'est bien. Puis il y a une mouche qui m'emmerde, en plus. Allez, bute-le. L'oiseau. Ensuite. Le gobelin, là-bas. Allez. Mais non, mais l'oiseau! L'oiseau qui m'a niquaise! Je crois que si je continue... Ah si, il y a une autre échelle, là. Putain, on va passer par là, alors. Mais l'oiseau, encore! Mais comment tu veux faire? Le gameplay est à chier. Ah, putain! Quelle horreur, ce jeu! Quelle horreur! Et quand je pense qu'il y en a qui disent que ce jeu fait partie des meilleurs de la NES, mais fermez-la. Putain. Juste parce qu'il est ultra difficile, c'est un des meilleurs. Putain. Mais le lagging pute ta mère. Oh. Ouais, bah écoutez. Allez, encore un petit dernier. Encore un petit dernier. Mais c'est la fin. C'est la fin. C'est le dernier continu. Ma patience a atteint ses limites. Et j'ai une mouche qui est en train de me troller maintenant. Te fous le camp. Ça va finir en lance-flamme cette histoire. Là. Voilà. Toujours la même musique, hein, d'ailleurs. Hein, vous l'avez remarqué. Et bute-le. Voilà, bien. Allez. Voilà, on va passer par là-bas. Faites gaffe à l'oiseau. Voilà. On va attendre que l'oiseau pop. Bon, pas grave. Pas grave, ça passe. Ah non, putain! Saloperie. Piaf de merde. Monte. Voilà. On va voir l'autre là-bas. J'ai l'impression d'être dans Golden Axe. Les mecs, ils font tout pour t'encercler, en fait. Histoire que tu te retrouves bien dans la merde, avec deux pélos à gérer, un devant toi et un derrière. Pratique. Surtout quand on ne peut pas attaquer derrière soi. Allez, dégage, Mickey Mouse. Ah bah ça repop, bah oui. Bah oui. Évidemment. Évidemment fucking. Allez, on retourne. Cet oiseau, j'allais me faire avoir encore. Ah. Mais putain, pourquoi tu fais ça? C'est dégueulasse. Casse-toi l'oiseau, gobelin au pied. Est-ce que t'es? Oh là là, puis. Des sacs à PV en plus. Et l'autre qui vient se balader, ouais. Dégage. Reviens ici, putain de gobelin. Viens là. Oh là là. Putain. Viens là. Voilà. Allez, on monte. Puis Zahuk, l'oiseau, il apparaît systématiquement là où je peux pas l'avoir. Allez, hop. That's enough. Ça suffit. Oui, je peux me permettre. Hein, les manettes de NES sont très résistantes. Mais... ah putain, mais ce jeu... Enfin bref. Arrêtez de vous plaindre dès que vous crevez une seule fois dans un jeu récent. Allez vous faire foutre. À l'époque, les jeux étaient putain de difficiles. Aujourd'hui, c'est pas en ayant des jeux avec un press A to win que l'on va progresser et surtout que vous allez apprendre à jouer. Ceux qui se sentiront concernés se reconnaîtront. Bref, je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était 69Zellos, c'est bonne partie tout le monde. Ciao, bye bye. Où est ma bœuf?